Salut tout le monde, Madarjeu et bienvenue pour la suite de Overlord Dark Legend. Donc on se retrouve pour cette deuxième vidéo après avoir s'être débarrassé de l'invasion des Halflings du château. Malheureusement on a pris quelque chose. Qui nous appartient. Bref, alors on va aller voir Zigomar. If you're leaving Castle Gromgard, young lord, could you do me a little favor? Those halflings infected some of the pumpkin fields and the rotting gourds have attracted nasty little weevils. As celebrated author of 1001 things to do with the pumpkin, it breaks my heart. Please see what you can do about them. Pas de problème. No suicide. Alors on peut en avoir un 10. Et voilà. Parfaitement équilibré. Donc pour l'instant niveau amélioration on peut pas. Du coup justement c'est pour ça qu'on va poursuivre la film puisqu'il va chourer la forme. Which will lead towards Meadow Sweet. Not that I dream of telling you what to do, Lord. Mais avant d'aller à Belle Prairie, on va d'abord s'occuper de la quête secondaire. Ça sera fait. Les chars en sous. Voilà. On peut les faire ce truc pour X. S'il veut bien. Et on va en profiter pour encore fouiller et récupérer plus de choses possibles. Donc de l'argent et tout le reste. The merry clink of gold coins, Lord. They always come in handy. I believe there is a fork in the road just past the windmill, which will lead towards Meadow Sweet. Not that I dream of telling you what to do, Lord. For you. Ils sont trop mignons. Sérieux, je les adore. Je les adore, mes petits lardins. Pour une fois que l'esclavage sert à quelque chose. Oui, ce que je dis, je sais que c'est horrible. Thank you.
Parfois les choses, ça sort comme ça. Citrouille. Et celle-ci. Normalement, c'est fini. Voilà. I believe there is a fork in the road just past the windmill, which will lead towards Meadow Sweet. Not that I dream of telling you what to do, Lord. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Sont trop mignons. Sire, now you've got more minions, you can push aside heavy barriers. Allez tout le monde. Et voilà. Sire, if you're low on life force, you should restock by bashing up a few of the more placid creatures that live nearby. Donc allons voir du côté de Zygomar. Récupérer notre récompense après s'être débarrassé des charançons et des citrouilles pourries, surtout parce que les charançons en fait ils reviennent. J'adore quand ils disent ça. Ça me rend fou. La salle du trône. Voilà. C'est moins poussiéreux. Et moins avec. Et moins de toiles d'araignée surtout. Forge du château. Et comme ils nous l'ont volé. Ces petits merdeux. Tous des voleurs, les personnes de petite taille. Tous. Je suis le seigneur du mal. Alors oui, j'ai le droit. Je me permets de dire que j'aime pas les personnes de petite taille. On fait tous gerber. Je suis de petite taille. Il n'y a que les larbins qui sont mignons ici. Parce que eux, ils savent reconnaître qui est le dominant. Ah là là, qu'est-ce que je dis pas compris. J'ai des choses, mais en fait, j'y crois même pas, c'est ça le pire. Je suis pas très je serai jamais comédien, c'est sûr, clair et net. Voir Zygomar d'abord, j'avais dit. J'ai pas ça dans le sang.
Ça s'entend que je pense pas ce que je dis, c'est ça, le truc. You've gotten rid of all those rotten pumpkins, I see. I wanted to show my appreciation, so I've nailed together some furniture which will hold minion equipment. Means you can come back here and grab it again whenever you need it. I'll put it in your room for you. I'll be keeping an eye out for things that'll help your quest, lad, so check back with me every so often. Voilà. Et c'est là que c'est ridicule, parce qu'en fait, lui, c'est notre serviteur, hein, c'est le cuistot. Nous sommes son seigneur. Et il nous paye pour service rendu, quoi. Vous vous rendez compte de l'illogisme de la chose? J'aurais peut-être dû me TP directement vers... Du coup, parce que là, je perds du temps. Je ne perds jamais mon temps. Des moutons avec des charançons normales. Je peux couper tournesol. The merry clink of gold coins, Lord. They always come in handy. C'est dingue à quel point il pétait de thunes, quoi. Quand tu vois ça, tu dis putain, la terre, seigneur. T'as de la thune. Et puis en plus, t'as des serviteurs, quoi. Et de vrais serviteurs. Pas de vulgaire serviteur PNJ qui reste là à rien faire et qui répète je ne sais combien de fois les mêmes phrases. Des moutons qui ont l'air. Pauvre mouton. Ah les pauvres. Ils ont rien fait pourtant. Et le fait de les spammer, le fait de les tuer, ça rapporte. Et ils épargneraient volontiers si ce n'est pas le cas.
mark the end of Crumguard's land, sire. For now, at least. Ok, son invocation. Careful, sire. Those spikes are sharp. Attacking them will do more damage to you than to the spikes. I have a better idea. For me. Misée et allumage. Explosion. C'est vrai que ça devient plus grand du coup. Parce qu'on a vraiment un travail de vie ou de mort sur eux. Non, chaud. Hein. Non, merde, je suis con. Et j'ai utilisé le même choc. On vise. On secoue. Et voilà, c'est génial. On fait vraiment ce qu'on veut avec eux. Parce que c'est bien fait pour leur gueule, simplement. Ils ne sont rien, juste des larbins. Ils sont là pour nous servir. C'est tout. Ah, une relique. Il s'agit du bouclier. Gros légumes ici. C'est quoi ces navets? Putain, ils sont énormes. Les carottes. Ça rend aimable, mais en l'occurrence, ça m'intéresse pas. C'est oufissime comme jeu. Ah ouais, j'ai tué pas mal de larvins du coup. Comme c'est triste. Nous allons faire des réinvocations. Brothers!
brother. There was a bandit, sire. They don't usually venture into these parts. He must be responsible for those spiked barriers. That's a manor relic, Lord. Once taken back to the castle, he'll plunge more manor to cast spells with. Nothing like a bit of magic to get the carnage started. For you. That's trop secoué. Here, Wendell. Ain't that the young lord from over at Gromgard? I think you're right, Harry. What's he wearing that hat for? Oh, he's gentry. Gentry are all about hats. Look, I don't care what hat you're wearing. You're not coming in. Yeah, we've had enough trouble with the bandits. You should have seen what they did to a bunch of poor sods earlier. Yeah, glad that weren't us, eh? Maybe we can do you a little deal. You get rid of the bandits, and you and your little thingies... And his hat. Yeah, and your hat can come in. Okay. Aucune chance face à moi. C'est pas parce qu'on est le mal qu'on doit tolérer justement les voleurs et tout. Ah, c'est vrai qu'ils savent pas nager, c'est con. The locals call this Skull Canyon. Oh, no imagination at all.
C'est souvent ça. Et toujours un manque d'imagination. Voilà, comme ça c'est équilibré. That insignia for years. It's the Black Flame Bandits. If those idiot guards were right about the servants being ambushed, then I bet the bandits have our forge. Time to steal from the people who stole from the people who stole from us, sire. Avenge me! Venger ma mort. On a gardé ça. Donc la nouvelle relique. Lord, another spell to boost your evil arsenal of magic. Prepare yourselves. Voilà. Bonne chose de faite. Donc on a un nouveau pouvoir. Donc le ralentissement. Donc je m'étais après avoir terminé le camp de bandits, après c'est totalement l'inconnu pour moi. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de cul. C'est là pour dire que maintenant il va avoir droit aux épées.
Voilà. Et vous me saccagez tout là. Merci. C'est bien, vous êtes de bons larbins. There's one of those spiked barriers again, Lord. It would be worth throttling a brown minion to get rid of it quickly. But the Intruders! Fight! Your death will follow! That is a blood pit, sire. Order a minion into it, and they will be sacrificed, and their health will become yours. C'est vraiment tout ce qui est joli. C'est ce jeu a vraiment le côté Pikmin et tout. C'est vraiment de la gestion de nos larbins pour avancer. Mais bon, j'ai pas en sacrifié un pour rien alors que j'ai pas besoin de santé. Mais en gros, il va plonger dedans, quoi. Sweep your minions into the tents to destroy them and stop the bandits replenishing their numbers. Those platforms will make excellent vantage points for your red minions, sire. Yeah, yeah! The light! It's fading! Fight on, brothers! Intruders! Your death will follow! Ils ne peuvent avoir rien contre moi, je suis trop puissant pour eux. Ah.
Ahora. Ils n'avaient aucune chance. C'est triste pour eux. Prepare yourselves! Run like the dogs you are! Prepare yourselves! You learn to fear us! Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Qui fout de quoi? Ils sont débiles, décidément.
silencé. Il m'en manque un rouge. Quelle bande de guignols, quoi. Ils peuvent tellement rien contre moi. Voilà. Bon, le ménage est fait, on va pouvoir avancer. Quoique, il y a 6 coffres à récupérer. They've captured a rock giant master. Very unpleasant creatures. Perhaps we can use it against the bandits. Hashtag meilleure idée du monde. The good news is that lumbering brute has taken care of the bandits. The bad news is that now he's after you. Okay.
you've certainly put that stone-fisted brute to good use. Now, look for our stolen forge. It must be close by. Ce géant de pierre s'est transformé en pont de pierre. Merci. Ah là là. C'était tellement facile. C'est marrant, c'est toujours les mêmes qui se sacrifient. Péter thune quoi. À tous les coups en fait c'est devenu en fait une course au trône entre frères et sœurs. À tous les coups. C'est ça au final que c'est en fait ce qui va se passer. Allez, vous le transportez. Et voilà. On va voir Biscornu. Very good, sire. The forge is back with us and at your disposal. Do find time to pay to visit and see what new armor and weapons are available. Now, to the business at hand, I think you need to go back to Meadow Sweet and impose a little overlorder on it. Just my little joke. Those are your peons now, sire, even if they don't know it yet. And no self-respecting overlord, let's... Eh ben, on va écouter la forge. Là, je suis dans le hall du château, quand même. Je pense que notre frère et sœur... notre frère et notre sœur vont être surpris de voir... À quel point leur petit frère est paré pour devenir alors ici on a d'ailleurs la salle du trésor. C'est pas mal hein. Notre forge bien aimé. La forge du château permet à l'Overlord d'acheter de nouvelles armes et armures. Elle peut également forger de nouvelles armures pour ses larbins et augmenter leur pouvoir de horde. Certaines armures de l'Overlord sont capables de résister aux éléments. Les armures de fer sont neutres, mais les autres métaux résistent aux attaques rouges, bleues, vertes ou brunes. L'Overlord peut également forger des armes capables d'infliger des dégâts élémentaux. Oui, quoi. Alors, on a la hache de bataille, hache magnifique, la hache ardente, 2000 d'or, 1200. Ok. Ici, on a... Côte osseuse, côte de fer, côte trompée,
go to the lava. Une cuirasse de des parrains. Hein. Bah c'est eux qui sont en première ligne après tout. C'est pas très normal. Allez, la côte d'or. On va faire des économies. C'est bien un début. Je vois, c'est génial qu'on est quand même qu'on est le fils d'un seigneur, quoi. King of the Canyon. Roi du Canyon. N'importe quoi. Donc comme on a dépensé, vous pouvez voir que ça s'est réduit. C'est pas mal, hein. C'est comme dans... Ça me rappelle Assassin's Creed Black Flag avec notre salaud trésor. Du coup, en fonction de tout ce qu'on l'argent qu'on accumule, elle se remplissait ou elle se vidait. Enfin bref. Donc moi je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, on testera cette nouvelle armure et cette nouvelle hache flamboyante dans la prochaine vidéo. Hop 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 hop, avant de te barrer et de quitter cette vidéo, n'hésite pas à poster un like ou un dislike si t'as aimé ou pas. N'hésite pas à me suivre éventuellement sur Twitter et éventuellement si tu le souhaites, tu peux aussi soutenir ma chaîne via Tipeee ou Utip. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, kenavo.